On est personne, prise 1. C'est dans un grand jardin de roses qu'il vit sa vie au quotidien, dans un palais de marbre rose où il ne manquera de rien. Il a des colliers et des bagues, de l'or à ses doigts, dans ses coffres, mais toujours au creux de la vague. Il en veut plus qu'on lui en offre, que les clochers résonnent, qu'on soit hors du commun. On est personne tant qu'on n'est pas aimé par quelqu'un. Il a combattu le dragon, son nom sur un bel oriflamme, gravé tout ça sur un blason, et en a fait tout un programme. Sur sa poitrine, les médailles pèsent lourd et brillent avec éclat. Mais pour lui, tout ça n'est que paille de la gloire dont il n'use pas. Que les clochers résonnent, qu'on soit hors du commun. On n'est personne tant qu'on n'est pas aimé par quelqu'un. Lui, il a juste le nécessaire, voire un peu moins que ses besoins. Mais on l'aime de telle manière que partout on voit sa lumière. Tous les clochers résonnent, on est hors du commun. Chaque personne, dès qu'elle est aimée, est quelqu'un.